Hey, salut tout le monde les amis, c'est Zentrox, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale comme vous avez pu voir sur le titre. Aujourd'hui je vais tout simplement vous dire qu'un youtubeur revient sur YouTube, donc tout simplement on va parler de Commandant Panini. Donc pour ceux qui le connaissent pas, c'est un youtubeur avec qui je le connais depuis à peu près un an, et c'est un youtubeur en or, donc on s'est connu par hasard sur YouTube. Pourquoi je fais une vidéo maintenant à propos de ce youtubeur? Tout simplement parce que il va revenir sur YouTube, parce que il y a quelques mois de ça, il y a 6 mois, il y avait une mauvaise nouvelle sur sa chaîne en disant qu'il pouvait plus faire de vidéos. Et du coup, il m'a envoyé un message en me disant: poto, je reviens en décembre en force avec un nouveau setup, un nouveau PC gamer et tout bataclan. Il m'a demandé si je pouvais l'aider. Ben j'ai dit tout simplement oui, parce que c'est un youtubeur en or. Donc tout simplement les gars, je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne. Donc voilà, donc Commandant Panini, donc voilà. Il a 642 abonnés, donc voilà, aidez-le à avoir les 700 abonnés. Ça serait super bien pour qu'il ait déjà, enfin il a déjà la motivation, mais pour qu'il ait encore plus de motivation quand il verra cette vidéo. Donc voilà. Je tiens aussi à vous remercier car vous êtes vraiment présent sur la chaîne, et j'espère que vous serez présent sur cette chaîne Commandant Panini. J'espère que vous serez présent sur sa chaîne tout simplement parce qu'il fait des vidéos de bonne qualité. Il fait des vidéos sur des délires sur GTA, enfin je sais pas si ce sera toujours les mêmes des vidéos qu'il faisait avant, mais en tout cas avant il faisait tout simplement il faisait des vidéos sur des jeux, il présentait des montages sur des drifts, des best-of, il faisait des petites vidéos sur Call of. Je crois qu'il a jamais fait aucun glitch. Je sais pas s'il a fait un glitch. Je suis en train de regarder. Non, je crois pas qu'il a fait un glitch sur sa chaîne YouTube. Mais il fait des vidéos sur. Il présente les DLC. Il présente plein de choses. Et il fait surtout aussi des vidéos délire. Et ça, c'est super bien. Car il manque ça sur YouTube depuis quelques temps, et s'il continue ça sur YouTube, ce serait super bien. Ça redonnera du sourire à d'autres personnes, donc voilà. Bon, en tout cas, je vous dis tout simplement d'aller vous abonner à sa chaîne, tout simplement. Allez checker en description, il y aura son Twitch et sa chaîne YouTube. Donc oui, il fait des lives sur Destiny, enfin, il faisait, je sais pas s'il fait toujours. En tout cas, son Twitch sera en description et sa chaîne YouTube, donc celle-là sera en description aussi. N'hésitez pas à aller vous abonner, comme j'ai dit, il le mérite tout simplement, c'est un mec qui a commencé YouTube et qui mérite de continuer YouTube avec un nombre d'abonnés suffisant pour qu'il ait tout sur YouTube. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Et je ferai un petit design aussi pour Commandant Panini, parce que je pense qu'il veut changer son design. Mais en tout cas, je lui ferai un design. Donc voilà. Tu me diras, Commandant Panini, dans quel thème tu mets ton design. En tout cas, moi je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà. Ne profitez pas les gars que je fais un design pour Commandant Panini pour me demander un design. Je fais des designs à des youtubeurs qui le méritent et non pas à des youtubeurs qui ne le méritent pas. Commandant Panini le mérite depuis très longtemps, son design. Et je vais lui faire. Et voilà. Si j'ai le temps aussi de faire une petite intro, je te ferai une petite introduction. Mais en tout cas, ton design, c'est sûr, quand tu seras sur YouTube, tu l'auras très prochainement en décembre. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire aussi que nous sommes bientôt 1800 abonnés. Donc voilà, donc on est 1783 abonnés sur la chaîne. Donc en l'espace de une semaine, on a monté presque 100 abonnés. Donc là, on a monté 80 abonnés en une semaine. C'est un truc de malade, les gars. Franchement, je sais pas comment vous remercier. J'ai calculé à peu près en décembre. Normalement, dans deux semaines, j'aurai 2010 abonnés. Donc c'est énorme. Donc c'est, comment dire, c'est une hypothèse sur ma chaîne, hein. C'est pas sûr à 100% que ça va continuer sur cette lancée. Mais en tout cas, si ça continue sur cette lancée, le 18 décembre, j'ai 2010 abonnés. Et si ça continue encore à augmenter comme ça, le 31 décembre, voire le 1er janvier, j'aurai 2330 abonnés. Donc oui, j'ai calculé parce que simplement, je calcule avec le nombre d'abonnés que je gagne par jour et après en semaine. Donc en gros, en 4 semaines, je vais gagner 60 abonnés. Là, je suis con. En 4 semaines, je vais gagner 600 abonnés. C'est énorme. Donc voilà.
C'est magnifique, c'est un truc de ouf. Merci encore les gars. Donc voilà, n'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, allez voir sa chaîne, il le mérite énormément. Ne faites pas les enculés à dire non, j'ai pas envie de la voir, ta, 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 ta. S'il vous plaît, même si vous, quand même, si vous abonnez pas à la chaîne, mettez un petit commentaire sur sa dernière vidéo, The Last of Us 2 trailer officiel, je sais pas quoi, qui date il y a 6 jours. Mettez en commentaire hashtag Zentrox. Comme ça, il va comprendre que ma communauté est venue le soutenir. Et donc voilà. Ça serait super bien que vous le fassiez, quoi. Ça serait super bien. Donc voilà. Moi, sur ce, je vous laisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager pour que cette chaîne se développe au fur et à mesure. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à bien sûr à cette chaîne YouTube qui mérite beaucoup. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt et bye tout.